3, 2, 1, bonjour à tous. Donc on se retrouve pour un nouveau stream sur Mario Kart 8 Deluxe. Et il n'y a personne. Ah bon? Je suis seule. Oui, je confirme. Je suis bien seule sur mon stream. Bah c'est pas grave. Ah non, en fait. C'est pas grave, on va quand même jouer à Mario Kart 8 Deluxe. Transition. Tac. Non, bah non, t'es pas tout seul, t'inquiète, hein. Y a un certain Caterdog avec toi. Ah mais j'ai Super Smash Bros Ultimate dans ma Switch. Yes! Ah, bah je te rejoins dans 10 minutes dès que je suis rentrée. Pour te taper. Mario Tu te Kart 8 rappelles les Deluxe. pauses que je Ta gueule. te mettais Attendez, parce que j'ai pas mis ma Mario Kart 8 Deluxe dans ma Switch. Je suis vraiment débile. Bravo. J'ai pas ma Mario Kart 8 Deluxe. Et toi, tu présentes pas ton invité, toi. Ah, il y a quelqu'un qui vient de rejoindre le chat. C'est qui? Ah, j'aurais voulu jouer, mais j'ai ni la Switch, ni le online. Ah, va triste. C'est franchement triste pour toi? Je suis triste pour toi que tu n'aies pas de Switch. Pourtant, il y a presque 90% des gens sur la planète Terre qui en ont une. Exagère un peu là, non? Mais c'est pas ma faute si la Switch s'est super bien vendue. C'est Oui, pas mais ma après, t'as faute. besoin. La Switch s'est bien vendue pourtant. La Switch s'est vendue, mais incroyablement bien. Mais un truc de fou. Comment il s'appelle le viewer? Il s'appelle Car sur Twitch. Ah, bah salut, car sur Twitch. Hein. Ah, si tu me connais pas, moi je m'appelle Caterdog. Hein. Je viens squatter les lives de Boulax. Ouais, il vient squatter dans mon live. D'une meuf qui n'est même pas foutue de mettre. Enfin, ma Switch, je vais bientôt la. Ouais, N'est même voilà, pas c'est foutu juste, elle de est en préparer réparation. ses lives. Ah, ok, elle est en réparation. La réparation, on se fait réparer sa Switch, c'est cool. Et Voulax, là, on en parle que je suis en train de te pourrir l'ambiance sonore de ton chat avec les voitures. Déjà, c'est Kara. Je suis en train de te faire chier, là. Bah, j'ai dit Kara. C'est bien ce que j'ai dit. J'ai dit Kara. On est d'accord. Là, ça dirait que j'attends bien qu'il y ait un train au passage à niveau et que je te le mette bien fort dans ton live. Non, fais pas ça. Bah, je suis à côté du passage à niveau. Hein. Joue en ligne. Ah Eh ben, on va jouer en oui, ligne à pour mort ceux gratuite qui de luxe, ça va être cool. se demandent là dans le live, moi je suis Bonsoir, ah 14 ans, oui. je suis un ami de Voulax et là je suis dehors. Voilà. Ouais, voilà, c'est un Dehors, bon ami il à nous entend moi. des voix Voilà, ça bizarres. change. Tous les soirs, vous aurez quelqu'un de différent dans les VOC. Exactement. Tu joues avec les J-Con, c'est trop nul. Ah! Parce que tu me vois jouer avec les J-Con. Ah merde! Oh, fais chier. J'avoue, faudrait peut-être que je prenne ma manette pro. Oui, Tu bah veux, putain, ma on va par manette la pro. postaline. Oui, ma manette pro de merde. Ah merde, elle est dans un placard. Oh putain, faut que j'aille la chercher, merde. Bah écoute, je Bon. vais bien. Bon, bah du coup, je reviens 2 secondes parce que j'ai cherché une manette. Bon, bah là, on est d'accord que Boulax, hashtag organisation, hein. Elle organise très bien ses lives, à ce que je vois. Par contre, là, je devrais plutôt aller voir. Eh, Boulax, après, une fois que tu reviens, tu me passes le lien de ton live. Attends, Twitch. Merde, j'ai pas Twitch. C'est parti pour... C'est parti pour de la folie. Wouhou. Here we go. Relax. Ouais, je sais imiter Toad. Ton live, il est sur Twitch ou Bonsoir sur Mad YouTube? Gaming. Twitch ou YouTube ton stream? Il est pas sur YouTube, il est sur Twitch. Ah. Mec, bah Ok, attends, c'est je bon. viens. Ok, pff, oui, du coup, je joue avec une vraie manette.
Bon, ça commence bien. J'ai tout ça pour avoir une pièce. Je me suis fait doubler sa race. Je peux venir en Vogue? Ouais, bah attends 2 secondes, je finis ma course. Et au pire, on se rejoindra. Et au pire, au 14 Dog, tu viendras dans le Vogue sur mon serveur. C'est une faute si j'ai si je crois que j'ai quitté ton serveur. Bah non, t'es dans mon serveur, j'ai vu que t'es dans les serveurs en commun. Ah, je suis encore dans ton serveur. Ouais. Je t'ai pas banni ou je sais pas quoi depuis le temps. M'avais pas déjà banni ou quoi? T'as dû faire une grosse connerie pour que je te banne alors. Ah, mais ta mère! Ouais, salut Pabloski. Enfin, Pablo Poc. Pablo Poki. Non, j'ai pas de serveur. C'est quoi la photo de profil de ton salon? La photo de profil, c'est une espèce de photo de profil Animal Crossing. Ça s'appelle zone communautaire au cas où. Multipub. Et j'ai beaucoup de serveurs pub, j'en peux plus. T'es comme moi, genre t'en avais 50 000 à une époque. Mais j'ai. Ah, Animal Crossing, non, c'est pas ça. J'ai vu une photo d'Animal Crossing, j'ai cru que c'était comme ça. Oh, maintenant c'est qui régule. Mais putain, je suis vraiment teubée. Je sais pas jouer. Vraiment, j'ai pas tout ça, j'ai Mais l'impression. si tu l'as. Non, je t'ai dit, envoie-moi le lien parce que je suis sûre que je Ouais, l'ai bah pas. 2 secondes, je finis ma course et je te l'envoie. Mec. Parce que là, j'ai commencé ma course, maintenant faut que je finisse quoi. T'inquiète, t'inquiète. Moi, je suis en train de regarder tous mes serveurs que j'ai pas l'impression d'avoir le seul. Je suis sûre de l'avoir. Soit que vraiment je la trouve pas parce que je suis con. Soit c'est Tu dois que être con, ouais, effectivement. je t'emmerde. Bah écoute, Allez, en go fait, il sait que sur mon stream, là actuellement, pour il y a un les mec qui est viewers. con. Il est aussi con que toi. Pour les viewers sensibles, mutez-vous 2 minutes parce que là je vais lancer une déferlante d'insultes, je pense. Parce que là j'en peux plus de Voulax. Ça se prononce Pablo Poc. Je sais, merci. Oh, je suis cinquième. Trop bien. Bon, allez, attends, je vais t'envoyer le lien de mon serveur Discord. Attends, c'est quoi? Créer une invitation. Bonjour. Bonjour. Attends, je vais lui envoyer le lien. Voilà, comme ça il rejoint directement le VOC. Viens, on fait du privé. Oui, voilà, on va faire du privé, ouais. Sera Ah. mieux. C'est le groupe SVP. Ami Salut. adversaire. Ah, je crois qu'il a un problème, à mon avis, pour rejoindre le Vogue. Mais Mais pourquoi il c'est fait qui inviter Rhythm? C'est personne. Comment de musique? C'est Pablo Poch. Mais Pablo Poc, il est chiant. Voilà, 14 Dog, il est là. Alors, c'est parti pour jouer contre Matteo, qui a. Plus de 200 points d'avance par rapport à moi. Je vois pas de quoi tu parles. Je peux pas rejoindre le VOC. Mais normal, en fait, c'est un VOC où on est que 3. Comme ça, tu nous fais pas chier. C'est ça, il vient pas nous faire chier en VOC. Bonne chance, ouais, mais carrément. Tu Eh, viens bon. ou... Non mais Si tu 14 perds. Dog n'a pas la Switch au cas où. Ah. Ah Si si, il a la si Switch, putain. C'est juste que si. là, Si si, actuellement, il est pas chez lui. Oui, en fait, là, je suis dehors dans une forêt. Il se promène dans une fucking forêt tout seul. Non, pas Le mec, il vraiment, parce brave que tous là, les j'étais dehors, dangers. là, je vois une meuf avec son chien. Il brave tous les dangers de... Je vais me faire agresser, gros, c'est C'est un. bien. Tous ceux qui ont vu le live d'hier savent pourquoi on est vénère contre Pablo Poc. C'est un berger allemand là, j'ai Ça, peur. c'est pour ceux qui ont vu le stream d'hier. Prochain stream, c'est moi qui m'incruste dans le VOC. Bah, en fait, faudrait déjà que tu te ramènes avec un micro, en fait. Mais vu que t'as jamais de micro, à ce qui paraît, bah, dommage. Est-ce qu'il est sur tel? À chaque fois. Non, il est sur PC, mais je crois qu'en fait, sur son PC, il a pas de putain de micro, en fait. Ouais, mais si c'est un PC portable, il a forcément un micro. Bah sur son PC fixe aussi, non, non. Peut aller dans jungle. Non, on te veut pas dans notre VOC. Tu restes dans le chat.
Parce que j'ai pas envie que c'est un forceur, quoi. Ouais, j'avoue, il force un peu. Je ramène pas des Est-ce que forceurs j'ai dans le mon droit groupe. d'ajouter un défi pour te motiver? Allez, bim, je vais perdre. Ah, attends, t'as mis du C'est plus 150? de 50% de défaite sur toutes les parties. Tu mettras sur ta chaîne une vidéo ASMR que je ferai, ou sinon en fond d'une vidéo, tu mets le son d'ASMR que je te ferai. Si tu fais Non, mais c'est plus pas drôle. Elle sait que je vais perdre, donc elle va refuser. Elle sait qu'elle va perdre, donc elle va refuser. Bah oui, parce que je perds à chaque fois que je joue contre lui, donc. Bah les viewers, vous voulez pas une petite compilation ASMR de mes soins? Imagine, genre, il y a une compilation. Imagine, genre, sur ma chaîne, je poste. Sur ma chaîne poubelle. Enfin, sur ma chaîne poubelle, ouais. Parce que je rappelle que j'ai une chaîne poubelle. Bah ouais, bah genre, je t'enverrai une vidéo ASMR que je ferai et tu la posteras. Si tu fais plus de 50% de défaite. Ça te va? Non, mais en fait, je vais perdre à chaque fois, donc techniquement, Si tu fais le même nombre de victoires et de défaites, tu me défies sur Smash Bros. Et on va voir si tu gagnes ou perds. Ah non, pas sur Smash Bros. Ah Ah si, si. si, si, si. Pour ceux qui savent pas, je suis un assez bon joueur Smash Bros. Et je tue tout le temps Boulax avec ma Marie. Voilà. Oui, parce qu'il joue Marie, le bâtard. Non, mais c'est pas fait exprès. Non, mais c'est juste que j'aime bien Marie, voilà. Il aime bien Marie, il aime bien Animal Crossing, donc Ouais, ça me reste, il a pas de micro. Mais en fait, mon pote, il a jamais de micro, en fait. C'est pas de ma Ouais, mais faute. il a dit sinon comment je streamerai d'ailleurs? J'avoue, parce qu'il fait des streams. Bon, bah, j'ai perdu. Je n'ai jamais de Tiens, micro, Boulax, juste que je vais montre jouer à à mon ta PC communauté portable qui le est tout beau lac pété. que je Faut que j'aille montre que sur mon je suis PC fixe pour ici, utiliser un là, regarde. micro. Tiens, au moins la Bon, par contre, laptop, Pablo, elle je vais te mute là ou je sais va pas quoi. Sinon, comment? Je streamerai être d'ailleurs. Ouais, par contre, là, Pablo Po qui il harcèle en MP là, c'est normal? Tiens, un père cubique, il vous laxe, regardez. Regardez le beau lac. Hein. Magnifique, hein? La forêt. Tu peux le montrer à ta communauté, il est magnifique. À ma communauté où il y a littéralement que deux viewers. Et Bah, c'est si toi tu et veux. moi. Et c'est toi et moi et Kaiwi et Caillou. 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 Bah Caillou. quoi, c'est son pseudo. C'est Caillou. Oulak, Je t'as me vu? fais jouer au Mario qui te brasse souvent. Oulak, t'as vu ma cam? Non, mais en même temps, je suis en train de jouer à Mario Kart 8 Deluxe. Attention. En fait, je sais pas pourquoi, mais Deluxe, c'est vraiment de la merde. C'est dommage, elle craque pas depuis tout à l'heure. J'essaye de la déconcentrer avec des vidéos avec des vidéos, elle craque pas. Dommage. Non, mais sérieusement, en fait, Mario Kart 8 Deluxe, c'est vraiment un nom de merde. Oui, bah on est d'accord ça par contre. Sur ça, c'est un nom de merde, mais en même temps, c'est un portage d'un jeu sur une autre Attends, console. viens, on fait un petit truc dans le chat, toi. Là, le chat, mettez vos meilleures suggestions de noms de jeux Mario, mais ça doit être le plus ridicule possible. J'avoue, faites ça. Faites ça, les gens dans le chat. Là, je lance des petites animations. Eh, je vais devenir animateur dans ton chat, en fait. Hein. Tu m'embauches? Je t'embauche comme animateur. Sauf qu'en fait on se parle tous les 6 mois, genre ça fait depuis février qu'on s'est pas parlé, mec. Non, 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 t'inquiète, maintenant on va se reparler, on va se reparler. Moi, perso, ça me manque de te niquer sur Smash Bros. D'accord? Ça te Ça me manque. manque. Oui, Moi, ça ce qui me me manque. manque, c'est Moi, ce qui me manque, c'est du skill sur Mario Kart. Clairement. Non! Non, pas la rouge! Voilà, merci la rouge! Genre, d'où je suis première en fait? Pété d'air, je suis Vu qu'il te première? manque du skill, vu qu'il te manque du skill sur Mario Kart, bah fais un live Smash Bros, je suis sûre que tu seras Sauf plus que sur forte. Smash Bros, j'ai pas plus de skill, hein. Oui, elle, le live, viens écouter ma belle compilation ASMR d'une bouteille d'eau. Non mais... Je sais comment doser les bananes, t'inquiète pas. Le bâtard, il sait jouer, lui, pas moi. Ouais,
Attendez, juste une question. Est-ce qu'on entend le son du jeu? Je crois pas. Tiens, demande à ta communauté, est-ce que vous m'entendez, les gens? Est-ce que vous m'entendez? Bah, techniquement, on t'entend, mais par contre, je demande si on entend le son du jeu ou pas. Attends, je mets le son. Moi, du coup, je peux pas aller vérifier sur le live. Vu que mes parents ont mis un fucking contrôle parental. On l'entend très bien. Et je peux même pas. On l'entend très bas, bah attends, je vais peut-être l'augmenter un peu du coup. On va choisir ce circuit parce qu'il est trop cool. Super You Mario Bros de luxe édition limitée. Vous l'avez. C'est quoi, tu fais un live ou ce que tu affrontes tes viewers sur Smash Bros? Un jour peut-être. Peut-être demain. Peut-être car demain. Je te dis, je suis ton premier viewer. Hein. Peut-être venir m'affronter. Un nom de jeu. Super Mario Bros de luxe. Fordes. C'est quoi le nom que t'as trouvé là, que les viewers ont trouvé? Bah les noms, les viewers ils trouvent des noms de merde, hein, on va pas se mentir. Vas-y, dis. Bah c'est le but en fait. Ouais, c'est le but de donner des noms merdiques. Genre go donner des noms merdiques à des jeux Mario. Bah justement, c'est ce qu'on a lancé tout à l'heure. Un nom ridicule, Super Smash Bros. Super Smash Bros Deluxe for DS. Super Smash Bros Deluxe. Bah attends, moi j'en ai un. Super Ultimate Smash Bros pour 3DS Deluxe. C'est quoi cette merde? Non, mais le mieux c'est... non mais moi je dis, par exemple, le pire nom pour un Mario Kart, par exemple. Ultimate Mario Kart pour 897 U. Voilà. Le U qui n'a rien à faire là. Mais parce sinon, on en parle, ils ont abusé, genre, ils te rappellent, genre, le Super Mario U Bros DS Deluxe, machin. Parce qu'il y a 10 000 trucs derrière la Super Mario Bros U Deluxe, machin. Ouais, HD, 720p, 1000 FPS, blablabla. Ouais. Sinon, Voulax, tu veux une explication du fait qu'on s'est pas parlé pendant 6 mois? Parce que tu t'es fait punir comme d'hab? Non, même pas. Ah, ça change. Parce que d'habitude, tu te fais à chaque fois punir quand tu parles plus. Ouais. Non, c'est pas, c'est qu'en gros, j'étais. En fait, j'étais accro à Osu. Ah, donc le mec, il jouait un peu trop à Osu. Ouais. Je pensais que t'étais mort, moi. Regarde ce qu'il a mis, Kali. J'ai pas lu. Faut que je le lise après. Mario Kart 9. Le nom le plus incohérent. Incohérent. Mario Kart 9. Mario Kart 13. Le nom le plus incohérent pour un Mario Kart. Attends, Mario Kart 9. Mario Kart 9 sortira jamais. On n'aura jamais de Mario Kart 9. Il dit, qu'est-ce qu'il dit que qu'on n'aura jamais ça? Ben, je sais pas, mais moi je dis le. Moi j'ai un pressentiment qu'en gros on n'aura jamais de Mario Kart 9. Mais je suis sûr, soit on n'a pas. Si on n'a pas de Mario Kart 9, sur la prochaine console, c'est on aura Windows genre un 9. Mario... J'avoue, il n'y a pas de Windows 9. Et donc, du coup, il y aura peut-être Mario Kart 10. On passera direct à Mario Kart 10. Mais sinon, genre, on en parle qu'il y aura forcément un portage de Mario Kart 8 s'il n'y a pas de Mario Kart 9. Mais c'est déjà un portage de Mario Kart 8, Mario Kart 8 Deluxe. Non, mais si. Non, mais sur une nouvelle console, genre, s'ils font une autre console qui n'est pas compatible avec la Switch. Ah, Moi, je prédis 2025. Je prédis 2025, il y a une nouvelle console. Et je parle pas d'une Nintendo Pro, hein. Switch Pro, hein. Moi, je parle d'une vraie console. Bah, dans 10 ans. Enfin, dans... Bah, attends, 6 ans. Parce que c'est tous les 10 ans. Paris 2025. 2025. C'est tous les 6 ans, hein, les consoles. Les consoles... 2017 plus 6 égale 2023. Mais t'es con, la Switch elle a 4 ans, donc j'ai enlevé 4 ans. Non mais là en fait à ce qui paraît la Switch est à la moitié de sa durée de vie. Donc à mon avis dans genre elle a la moitié de la durée de vie donc
Ça veut dire que dans 4 ans, il y aura une nouvelle console qui sort. Et j'ai dit quoi? 2025. 2021 plus 4, 2025. Bah moi je parie. Attends. Moi je parie 2027. 2027 on aura une nouvelle console. Non mais en fait, techniquement, imagine la Switch, c'est la dernière console de Nintendo. Oh non. Hashtag Game Over. Oh bon, non, bah, mec, tu veux pas que ce soit la dernière console, moi je veux continuer à acheter des consoles comme un pigeon moi. Non mais on va aller où? On va aller sur Sony? On va aller sur la Philips CDI? Voilà. Qu'est-ce qu'il me parle de Philips CDI lui? Bah oui, mais on va jouer à Zelda. Les Zelda sur CDI. Les Zelda sur CDI. N'en parlons pas. Je préfère pas qu'on oui, en parle des Zelda sur CDI. On va pas attiser des sujets haineux. Bon bah il est. Et c'est pas un portage du portage du Mario Kart 8. Mario Kart 8 Ultra Deluxe. Une idée, vous l'axe. Je crois que je vais aller. Oula. Hashtag. Je crois qu'il y a une bombe atomique qui vient mettre la clé. Allez, ah, vous gagnez. Ouais, bah comme d'hab, hein. Non mais imagine, genre sur la prochaine console, ils mettent un Mario Kart 9 avec le bois vermeil en circuit rétro. Oh non, oh bah non, non, le bois vermeil, non. Vous aimez pas le bois vermeil, mais c'est horrible. Comment vous ne pas l'aimer? Oh, du 200cc. Ok, je vais faire un AVC. Ok, je vais faire un AVC. T'es à 100% de défaite pour l'instant. Bon, sur une partie, mais t'es à 100%. Oublie pas, plus de 50% et c'est la vidéo ASMR. Ah, vous l'axe, ta vidéo ASMR. Oh non, pas du 200. Je vais faire un AVC, et moi. 200cc? Je vais faire un AVC, moi. Oh, le faire un AVC, oh. Oh, c'est dommage, elle va pas le faire. Là, pour combien tu joues Marie sur Mario Kart? Pour combien je joue Marie sur Mario Kart? Ouais. Bah en vrai je serais cap hein, me connaissant. Vas-y joue Marie. S'il te plaît. J'ai envie de te voir porter fièrement les couleurs de Marie. Pas les couleurs. Mais non mais sérieux, 200cc de mes fesses. Et bien sûr, avec le carte Animal Crossing bien sûr. Quelle carte Animal Crossing? Depuis quand il y a un carte Animal Crossing? Genre, je savais pas qu'il y avait un carte Animal Crossing. Non. Je sais pas, je savais pas. Et sinon, on en parle des gens qui parlaient d'une Switch Pro. Bah, elle va sortir, hein. Non, je crois pas. Switch Pro. Bah apparemment elle va faire la 4K, il s'agit rien. Calme-toi. Une Switch Pro qui fait de la 4K. Nintendo qui va faire une console 4K. Alors là, on m'aura tout dit. Non mais de toute façon t'as gagné hein, dans tous les cas. En vrai, cette histoire de SMR, si tu fais moins de 50%, j'aime pas trop SMR, mais c'est sympa de te donner des défis sur tes streams. Tu en feras régulièrement. Des défis, bah il faudrait juste qu'on m'en donne, quoi. Faut juste qu'on me donne des défis et j'en fais. Une erreur de communication. Ah bah d'accord, il s'est cassé comme ça. De quoi je me suis cassé de quoi? Bah je sais pas, genre ça m'a fait une erreur de communication et je suis revenu. Donc en vrai, peut-être que ouais, je ferai des défis faits, donnés par les là, joueurs. Là, je t'ai encore perdu. Merci, hein.
Bon, vas-y, attends, mec. Voilà, parce qu'il me demande de prendre Marie, alors je vais prendre Marie. J'étais à Noël qu'il faudrait une console 4K, on aura tout dit. Dans 10 ans, il y aura forcément au moins une console 4K. Il serait peut-être à la 32K, mais sur YouTube. Qu'est-ce que tu me parles de 2K, toi? Enfin, de 2K. Mais 2000! Faut qu'il parle plutôt. T'es sûr qu'il parle pas de 2000 plutôt? Hein, Voulax? De quoi? 2000 quoi? Il parle pas plutôt de 2000. Bah, je sais pas. Ce carte est tellement laid. Bah, non, le futur s'existera à 4K sur Nintendo et 32K. Et non, je parle bien de qualité. Ah! La 32K. Ah, j'ai entendu 2K, moi. J'ai entendu 2K. Bon, allez, je vais prendre ce perso, je vais prendre ce carte et ses roues, et voilà. Merde. L'entrée de son CC, bien évidemment. Bien sûr! Bien sûr, comme ça, ça me fait bien suer. Ouais. J'ai dit ce circuit. Ah. Bon, bah yes. On est tombé sur le pire circuit en 200. Quelle fierté. Let's go! Let's go! It's time! Say goodbye! De toute façon, il y aura une rediff sur YouTube au cas où. Donc, coucou la rediff YouTube. Pour ceux qui regardent la rediff. S'il y a des gens qui regardent la rediff. Bien sûr. Putain! Mais non, mais pété d'air. Merci. C'est normal qu'on entende dans le jeu. Ah, excusez-la. Méga Rayquaza, méga Rayquaza tout shiny. Là, je sais que oh oui, il y a la ref. Qui joue avec toi plus fort, celui de ton genre en plus. Oui, je sais, merci, hein, je suis au courant quand on entend son son. N'est-ce pas? Quoi? Bah toi, on entend le son, oui, de ton jeu, je te signale. Et j'avais entendu bien avant. Je sais pas qu'est-ce que fout 14. Ok, c'est super de me dire que Bronol a lancé un stream. Waouh. Ok.
Vérifions, Lynx. Dégage. Mais dégage. Connard. Je veux gagner au moins une fois. S'il te plaît. Le pire c'est que... Le pire c'est qu'en fait s'il y en a qui me connaissent bien sur Discord, il y en a ils me voient critiquer la Switch. Oui. Et pourtant j'y joue, vous voyez. Allô, ouais. Retour, désolé, il y avait un petit problème de 4G. T'es pas en train de bouffer toute ta 4G en faisant ça? Non, peut-être j'ai changé de 4G. Ah, t'es tranquille, quoi. Moi, j'ai une scène réinitialisée, donc je m'en fous. Putain, moi j'ai quoi? J'ai 100 MO. Je vous jure. J'ai 100 MO de 4G. J'ai 60 gigas. Oh le bâtard. 100 gigas avec appel. Bah, putain, toi, t'allais... Ah, mais putain, la chance, il a les appels illimités, le bâtard. Bah, moi aussi. Mais moi, j'ai 2 heures. Mais en plus, genre, moi, perso, mes parents, genre, ils avaient une offre. Avec la 4G, bien sûr. 13 euros par mois, j'ai appel SMS illimité et 100 gigas de 4G par mois. Ah, voilà, c'est avec la 4G+, sinon c'est pas drôle. Moi, c'est 4G+. Ah, lol. Oh non, le bâtard. Moi, c'est 4G+. Ah, voilà, moi, c'est à 10 euros tout ce que j'ai. 100 MO, j'en ai 110, mais 2 gigas. Et t'as pas appel illimité, toi? J'ai cru que tout le monde avait ça. Alors non, moi j'ai 2 heures d'appel, et une fois je me suis fait défoncer par mes parents parce que j'avais appelé pendant 3 heures. Ouais. Moi, ça peu, genre 3 heures d'appel. Je reste là. Parce que moi, perso, genre, la dernière fois, genre, quand j'étais en privé... Je suis avec des gens, là. J'étais avec un ami, quand je t'avais dit c'était qui en privé. Et genre, on a passé, ouais. Genre, je crois qu'on a appelé 4 heures. Ok. Non, merci. Je vais me faire un sandwich. Un père cubique, ça te paraît peu, toi aussi, 2 heures. Ok. Ou oui. J'ai dit, je veux du sandwich. Coupe ta cam quand ta mère est là. Ah mais en plus ma cam vient de se couper toute seule. Ma cam s'est coupée toute seule comme une merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Oulax. Ouais. Je te disais du coup. Il y a un problème avec ma cam, les gars. Bon bah du coup vous avez pas ma cam. Espèce. Je te disais genre 2 heures c'est super court. Bah ouais, c'est chiant. Parce que moi, perso, la dernière fois, genre, j'étais encore en forêt, et je suis tout le temps en forêt, et j'avais appelé un ami, et genre, on avait passé 4 heures en appel. Hein. Donc, moi, c'est 4 heures. Oui, je te l'ai dit, 2 heures, c'est super court. Bon, bah, du coup, vous avez pas ma cam, je sais pas ce qui s'est passé avec la cam. Par contre, moi, perso, je suis trop jaloux de ce. Genre, je sais, bon, par contre, c'est super cher. Tu veux que j'en ai qui a sur ton caméra? Bah, j'ai un problème avec ma cam. Pourquoi t'as plus de batterie? Genre, y'a qui dans le chat qui a genre 500 gigas de... Une fois, j'ai passé un appel de 8 heures. Attends, t'es sérieux? Un appel de 8 heures? Bon, 6 heures. 4 heures. Pour moi. 4 heures, c'est grave, c'est mieux. T'as lu 8 heures que c'est. Il a marqué 6 heures. Hein. Désolé, j'ai des problèmes. Désolé, mais j'ai des problèmes. Sinon, vous, là, t'as jamais eu genre les gens. Qui utilisent jamais le wifi de leur baraque, genre tellement qu'ils ont 4G. Moi j'utilise jamais le wifi. Non mais désolé, arrête de me traiter d'idiote, tu sais très bien, j'ai du mal. Bon bah du coup vous avez pas ma cam, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Pourquoi y a pas la cam? Elle a plus de batterie, hein, je crois. Non, 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 il y a de la batterie pourtant. Ah, j'ai un mec qui a un MP qui me MP. J'ai un mec
plaisantais des gays, je disais idiot pour rigoler. Bon allez, putain, ma cam, tu marches pas là ou quoi? Non. Vous laisse, regarde ce que je t'envoie en MP. Relax. Quoi? Regarde ce que je t'envoie en MP. Ah bah, il y a Pablo Pouk qui joue à Luigi's Mansion 3. Regarde ce que je t'envoie en MP. Ah oui, c'est bon, je l'ai déjà vu ça. New Super... Attendez, c'est trop drôle. New Super Paper Mario & Luigi Rabbit Tennis Kart Strikers Paint Salut. Clash Party 3D Galaxy Sunshine Odyssey Golf Maker 64 Pinball RPG Dance Dance Revolution. Oh le bâtard. Ah mais c'est normal en fait, ça a bugué. Bon, je te laisse, vous laxe, moi. Bah donc... Ah mais sérieux, tout le monde m'a lâché en pleine... En plein... En... Tout le monde m'a lâché. Mais tout le monde m'a lâché. Ouais, je me suis mis aux blagues de père. Ah non, mais sérieux, là j'ai un problème de cam et tout. Ah, c'est bon, il y a rien. Ah, oh, ok, c'est bon, la cam est de nouveau quoi. Bon, bah. Attends, j'arrive. T'es sûr que tu vas vraiment venir en VOC? Je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr que tu vas te ramener en VOC. Parce que le mec, il a toujours pas allumé son PC depuis le temps. Bon. Du coup, je peux prendre le perso que je veux. Bah, de préférence, on va prendre Link. On va jouer en ligne sur Aéroport Azur. J'ai le mon PC et ne me crois pas, si tu veux, tu auras la surprise. Ok, bon, bah, c'est cool, hein. Si tu me fais la surprise à devenir en VOC comme ça, me joindre en VOC. Parce que je me sens seule. Parce que tout le monde m'a lâché. Je sens que ton PC va mettre des heures, donc du coup, il va mettre des heures à venir me rejoindre en VOC. En même temps, je connais trop bien ton PC. Oh, yeah. Ah oui, qui héberge mon stream. Merci pour le host. Enfin, pour l'hébergement. D'ailleurs, ce truc, je l'ai appelé Mario Stadium et pas Mario Kart Stadium. Oh, mais sérieux? Oui, pour dire que j'ai 3 viewers. Ah, pour dire que Valentin Prime stream. Par contre, je commence sérieusement à avoir chaud. Je vais peut-être devoir allumer mon ventilo. Parce que là, j'ai très chaud. J'ai très très chaud. Je demande si bien c'est qui le troisième viewer.
Ok, level up. Rien de bien foufou. Bon bah je suis 11e hein, comme d'hab. Je meurs probablement. Bah ok, bah y'a pas de soucis. Ah putain, je vais pouvoir allumer le ventilo. Ah. Enculé, t'es mort. Ah, j'ai chaud. Ah, j'ai chaud. Please, donne-moi du vent. Donne-moi du vent. Que j'ai chaud. Celle-là. Je veux voir les viewers du chat. Ah! Oh putain, je t'entends très mal, mec. Ah? Sérieux? Ouais, je t'entends très bas. C'est pas dingue dingue, je sais pas qu'est-ce que t'as fait à ton micro, mais on t'entend très bas. C'est peut-être toi qui m'as baissé sur Discord. Pourtant j'ai mis ton son à fond, hein. Ah ok. Tu peux pas régler ce problème, genre en augmentant le gain ou je sais pas quoi, enfin en faisant quelque chose avec ton micro, please. Oui t'inquiète, je m'en occupe. Parce que du coup, même moi, enfin même les viewers, du coup ils t'entendront pas. Enfin, s'il y a des viewers. S'il y a des viewers dans le stream. Est-ce que tu m'entends mieux comme ça? Oui, je t'entends déjà mieux. J'ai mis à 50%, tu dis qu'il faut l'augmenter. Faut l'augmenter un peu, ouais. Allez, hop, 75, c'est mieux? C'est mieux, ouais. Ok. Bon, du coup, je relance Internet. Parce que là, je te vois pas galérer, c'est pas drôle. À coup sûr, tu es 6ème. Alors, étonnamment, je suis 2ème. Ah, bon, je me suis raté. Ouais, mais à mon avis, d'ici quelques minutes, je vais repasser 6ème. Hein. Ah, tu es 6ème du coup? Non, non, je suis pas repassé 6ème, mais dis-toi que peut-être que je vais peut-être. La blue shell qui m'a fait ultra peur. En plus, j'avais un boost. Tu dis que tu repassais 6ème, c'est-à-dire que t'étais 6ème au moins? Non, non. Mais ah, okay. je dis ça, c'est simplement une hypothèse. Alors. Allez, let's go. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas. Non, pas la rouge. Ça va, elle était pas pour moi. Là, il y a un compte Twitch qui s'appelle Juste vous là, c'est toi aussi ou pas? Non. Ah, ok. Ah si, il y a un compte Twitch, c'est Voulax, il y a un compte Twitch qui s'appelle juste Voulax, mais c'est normal, c'est à mon ancien compte. Ah ok. En fait, si tu veux, c'est à cause du numéro de téléphone que j'ai pas pu changer, donc du coup, bah si je rechange de numéro de téléphone, je vais devoir me recréer un compte pour la 30e fois, je crois. Hein. Tu pouvais pas tout simplement changer? Mais j'essayais, mais j'y arrivais pas. Ça marchait pas. Ça me disait que mon numéro, il était invalide ou je sais pas quoi. Normalement ça peut être connu, mais pour connecter à Twitch. Ah, bah si, il faut le numéro de téléphone parce que quand tu te connectes ça t'envoie un message. Ça t'envoie un message avec un code. Ça t'envoie un mail aussi si tu veux. Ah bon? Ah oui putain c'est vrai, ça t'envoie un mail. Putain je suis teubé. Ah la boulette, j'avais oublié que ça t'envoie. Oh putain je suis venu 3ème. Mais du coup là techniquement je peux streamer autant que je veux parce que littéralement bah là j'ai mes parents sont pas là pour manger. Bah du coup on l'avait vu et entendu tout à l'heure. Ouais aussi accessoirement c'est c'est gênant. Mais vraiment faudrait que tu fasses des raccourcis. Hein. Des raccourcis ça change une vie de streamer. Ah hein. Tu crois quoi?
Allez, ils ont tous choisi un circuit de merde. Non, je rigole. Truc de bâtard. Je te permets pas. Déjà, il y a le château de Bowser dans l'eau. Ah merde. Autant les autres, je dis pas forcément. Je les connais pas tous, mais... Bah t'inquiète, tu vas très vite apprendre à les connaître. Ah si, je les connais tous en fait, je suis con, c'est tout. Bah tiens, t'as déjà joué en carte 8 de luxe avec moi quand même, t'es pas con. Mais oui, mais en plus je suis con. Mais en plus, tous les circuits, tu les as déjà fait en stream, donc... Ouais, je les ai tous fait au moins une fois, donc... À force, tu les connais, quoi. À force, tu les connais comme ta poche. Et aussi, je suis ton joueur le plus fidèle, donc... Viewer le plus fidèle. Allez, dégagez! C'est en mode miroir. Oh, à la honte. À la ton. Je suis ton joueur le plus fidèle, mais en uptime cette semaine, je suis top 2. Putain. Je suis vraiment une sous-merde de première catégorie. Je ne vais pas dire que oui parce que j'ai envie de troller, mais non. Allez, dégage! Espèce de fils de pute. Allez, dégage avec ton Toad. Voilà. C'était la petite imitation du Toad. C'est que j'imite à merveille. Tu le sais. T'adores imiter les Toads, mais ok. À chaque fois, j'ai mon pote, il dit que c'est le Toad anorexique. D'ailleurs, t'as imité Toad, genre le personnage de Pokémon Snap. Ok, j'arrête. Attends, il y a vraiment un personnage dans Pokémon Snap qui s'appelle Toad? Bah, dans Pokémon Snap, Toad, c'est justement le photographe. Jure. Oui, c'est son nom. J'en ai pas. Vérifier. Il apparaît dans l'animé aussi, Toad. De Pokémon. Deux fois. Mais ta mère, avec ta fesse de pomme, voilà, c'était le petit fun fact. Petit fun fact, il y a un personnage dans Pokémon qui s'appelle Toad. Par contre, non, il n'y a pas de personnage qui s'appelle Toadette. Ça aurait été drôle. À ma grande déception. À ta grande déception. Ah bon, t'aimes bien Toadette? Non, je plaisantais. Ah. Non, mais tu crois quoi? Bon, en même temps, t'es un grand fan de Pokémon. Oui, je connais tout de Pokémon. Tu connais un peu tout, ouais. Tu connais trop de choses. T'es trop fort. Ouais, j'ai dit que je connais tout, mais en vrai, c'est pas totalement vrai. Ah ouais, le bâtard. Ah, la bouchelle. Oh, regarde, je peux l'éviter. Ah bah non. J'allais me bouffer la bouchelle en plus. Ah, la honte. J'allais me bouffer la bouchelle. Par exemple, à ma plus grande honte, je n'ai pas joué à Pokémon Stadium. Pas encore. Ah bah peut-être un jour t'y joueras. Hein. Oui, bah un jour. Quand t'auras l'occasion. Et Pokémon Stadium, c'est quoi déjà? C'est un jeu où tu enchaînes les combats un peu à la Pokémon Battle Revolution que j'ai sur Wii. Mais en duo, de mémoire. Y a pas que des circuits de merde, genre lui il est bien, mais sinon les autres c'est de la merde. Alors moi j'ai du décalage, donc je vois pas encore de quoi tu parles. Ah ok, je vois. Ça aurait été peut-être mieux de faire du random du coup si c'était beaucoup de merde, non? Non, mais il y en a un que j'ai trouvé bien, donc du coup je l'ai mis. Dac. Ah bah putain, ah bah yes, j'ai bien fait de choisir ce circuit parce que... Putain mais d'un ils ont 10 000 points et tout, enfin c'est nimpe. Bah, il y a deux types de joueurs. Il y a les tryharders et les non-tryharders. Genre, moi, par exemple, je suis un non-tryharder. À peu près. Toi, t'es une semi-tryharder. Du coup, c'est un troisième type de joueur. Ça fait un troisième type de joueur qui n'existe pas.
Mais ta mère, fils de pute, merde, c'est trop rampeux. Vos mères. Moi, en vrai, il y a beaucoup plus de types de joueurs. Ouais, c'est ça. Et ouais. C'est parti pour le podcast de Ah oui, Caillou. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs types de joueurs. Déjà, t'as les speedrunners, t'as ceux qui jouent que pour l'aventure. Mais t'as aussi ceux qu'on appelle des tryharders et des cancers. Des cancers, ce qu'on voit le plus en ligne. Et c'est ceux qui trichent, c'est ceux qui te font de la merde. C'est ceux qui spamment la boule de feu, comme l'a dit Voulax dans sa dernière vidéo. Ah oui, on spamme les boules de feu comme des connards. Mais je veux gagner! Je veux gagner au moins une fois! Et ensuite, il y a autant de types de joueurs que de genres de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'un joueur Pokémon va pouvoir faire par exemple du Shiny Hunting. Alors que bah, du Shiny Hunting sur Mario Kart, c'est pas vraiment possible. Genre faire du Shiny Hunting sur Mario Kart! Les joueurs de Mario Kart, un peu leur équivalent du Shiny Hunting, ce serait débloquer les véhicules dorés. Ah oui, les trucs dorés, genre les roues, les machins, ouais, je vois. Ah, bah, les véhicules dorés, quoi. Et il y aurait plein d'autres choses. Bon, Céleste, c'est un peu mon niveau de tryhard, c'est-à-dire le 100%. Enfin, il y a quelqu'un qui me l'a fait remarquer, mais ce que j'appelle 100%, c'est le 108%. Donc, quand on vise les fraises dorées et tout. Chose que vous l'avez ne comprend pas parce qu'elle arrivait même pas à faire le niveau en casual. Le premier niveau en casual, pardon. Attention, le premier niveau, j'ai tellement un level de merde au jeu vidéo que j'arrive même pas à faire le premier niveau de Céleste. Mais bon, c'est pas au niveau où tu meurs juste devant la suite. Là, t'y arrivais vraiment pas, quoi. C'est pas comme si tu mourais sur la dernière ligne droite. Hein. C'est ça. Je fais pas du tout de ref géométrie d'oche. Oh le bâtard. Ensuite, t'as différents niveaux de joueurs du coup. T'as les grosses merdes, ceux qui n'y arrivent pas du tout. T'as les petites merdes, ceux qui essayent. Mais voilà. T'as les finis de la vie, donc qui meurent tout le temps juste avant la fin. Donc ça, c'est par exemple ton type de joueur. T'as les joueurs d'embo sinon, ceux qui parfois sont bien et parfois sont mal. Et t'as les joueurs tryharders. Eux, ils sont tout en premier. Allez, moi je vous tombe, ça tombe sur Club Mario, qui en anglais ça s'appelle Electrodrome. Oh, sympa la petite anecdote. C'est un peu débile de pas l'avoir appelé Electrodrome en français d'ailleurs. Bah, c'est qu'une question de traduction, j'imagine. Ouais, c'est comme par exemple le. Tu vois la descente. J'arrive pas à parler. La descente givrée. Ouais, je vois. Bah, en gros, littéralement en anglais, c'est le mont Wario. Ah, ok. Et en français, bah ouais, ils ont même pas mis Wario dans le nom, quoi. Alors que c'est un surplus au nom de Wario, merde. C'est des Québécois, non? Sur Mario Kart, les Français, c'est un peu des Québécois, non? On va dire ça, ouais. Ah, t'es formé tous les noms. Non, mais en vrai, non, mais il y a pire, hein. Genre, il y a les Québécois qui traduisent bois vermeil en chemin à la sucrerie. Oui, non, mais les Québécois, c'est un autre monde. Ou par exemple, genre, ils traduisent des noms de filles. Ouais, à toutes. Oui, bon, attends, tu sais quoi, juste pour le fun, je vais aller chercher un truc qui compare les pires traductions québécoises. Ça va être drôle. Québécoise. Voilà. Là, j'ai les titres de films, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un truc un peu plus générique, on va dire? Putain, dans ce jeu, genre les murs, ils t'attirent. Par exemple. Comment ça, je me suis arrêté d'un coup, wesh.
Voilà, 15 titres de jeux vidéo traduits à la sauce québécoise. Alors. GTA au Québec s'appelle. Allez, je te laisse deviner à chaque fois. Je sais pas, Putain, ça veut dire. Je sais plus, je sais pas. Ça s'appelle Vol de voiture grandiose. Ils ont littéralement traduit littéralement le nom, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, Final Fantasy. Bah, ça veut dire Fantasy finale. Dernier fantasme. Quoi? Dernier fantasme. Ah, Doom, un jeu bien connu pour avoir eu ses mèmes avec Animal Crossing. Ah oui, c'est vrai, ouais, le fameux... les fameux mèmes. Oh, j'ai fini 7ème sur 12, ok, bon bah nice. Du coup, d'après toi, comment il s'appelle Doom au Québec? Bah, je sais pas. Il s'appelle Malédiction. D'accord. Alors, j'ai cherché, et Doom, ça veut dire plus condamné, normalement. Condamné, destiné, destin, perte, ruine, mort, jugement. Voilà ce que ça veut dire, Doom. Donc, en fait, ça veut même pas dire malédiction. Ouais, c'est ça le pire. C'est que, je sais pas, genre, ils le traduisent un peu n'importe comment. Oh, Super Mario Bros. A aussi un nom au Québec. Oh non, putain. Allez, je te laisse deviner. C'est Super Mario Frère. C'est ça, Super Mario Frérot même. Ah oui. Non, par contre, s'il vous plaît. Non. On est tombé sur le... Non. Putain, ta mère. Donc, on est vraiment tombé sur le deux seuls pèlerins qui ont choisi le Royaume Sorbet. D'après toi, c'est quoi? De quoi? V, Elder Scrolls 5, Skyrim. Bon, tu as bien compris, là, ça se crivait quoi? C'est traduit littéralement les trucs, hein. Ouais. Du coup, d'après toi, ça s'appelle comment? Alors là, j'en sais rien, parce que je sais même pas ce que ça veut dire en français. Les anciens parchemins 5, bord de ciel. Ah, encore un jeu qui est bien connu pour ses mèmes, notamment avec la scène sous la boîte. Metal Gear Solid. Bon, engrenage métallique solide. Bon, on va voir le jeu maintenant, mais à l'inverse, si tu veux. C'est-à-dire, je te dis le nom québécois et tu dois deviner le nom français. Oh non. Ce sera plus simple. Alors, le monde de la guerre artisanale. Monde de la guerre artisanale, C'est un nom de jeu au Québec, il a un autre nom en français, tu t'en doutes. Oui, je me doute bien qu'il a un autre nom en français. Alors, je te donne un indice. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Le monde de la guerre artisanale est un des plus grands MMORPG du monde, littéralement. Monde de la guerre artisanale. Wow. Est-ce que ça se dit un truc? Ah oui. Donc c'est World of Warcraft. Ah oui, putain, j'avais pas le nom sur le coup. Bon, les principes de l'assassin. Principe de l'assassin. C'est pas Assassin's Creed? C'est ça. Oh putain, quel chat j'ai eu. Alors. Je vais voir s'il n'y en a pas d'autres si je cherche sur internet. Ok, oui, il fallait juste chercher en fait. Il fallait chercher et tu en trouvais. Voyons voir. Je vais quand même chercher des jeux que tu peux connaître. Redemption ou la mort rouge. Bah, c'est Red Dead Redemption. Voilà, littéralement. Demi-vie.
Half-Life. C'est ça. En même temps, ça te fait réviser ton anglais. Ah merci, c'est sympa, ça dit donc. La vie est bizarre. La vie est bizarre. Ouais. Alors là, je sais pas. Life is strange, ça te dirait? Ah oui, putain, je suis bête. Putain, je suis vraiment teubé. Bon, allez, un dernier circuit. Parce que ça commence à me péter les couilles. Mais attendez, il est quelle heure? Ah, il est 18h32, je peux stream encore longtemps, alors. Ouais, bah, tu fais comme tu veux. Moi, j'anime avec, du coup, un petit mini-jeu québécois. Ah, sauf que littéralement, il doit y avoir zéro viewer sur mon stream. Ouais, bon. Coucou la rediff pour ceux qui la regardent. Ouais, j'avoue. Bonjour la rediff. Bon. Maintenant, j'ai les films. Oh, les films. Oh putain, t'es malade, toi. Alors, tu connais beaucoup moins les films, j'imagine. Ouais, voilà, bravo. T'as deviné. Donc, je te dirai que les plus connus. Alors, les bagnoles. Cars. C'est ça. Putain, le pire, c'est que j'avais déjà vu ça quelque part. En plus, le coup des bagnoles, là, de Cars. J'avais vu ça quelque part, c'était trop drôle. Quand j'ai vu que c'était comme ça, genre, ils appelaient ces Cars les bagnoles, j'ai trouvé ça super drôle. Alors, poulet en fuite. Attends, quoi? Poulet en fuite. Poulet en fuite, Ça me dirait? Ça me dit un truc, c'est pas chicken... chicken, je sais pas quoi. Chicken run, ouais. Ah, ok. Ah, bon. Histoire de jouer. Toy Story. Voilà. Facile. Celui-là, il était easy, hein. Une vie de bestiole. Putain, comment ça s'appelle? Alors là, c'est pas du tout littéral, hein, au cas où. C'est vraiment différent. Ah, ça change. Ouais. Un indice, c'est un nombre dans le nom de chez nous. Je sais pas du tout. C'est 1001 pattes. Ah oui. Donc, voyons voir. Bon, là, ça ressemble, c'est juste que c'est pas le même mot. Les incroyables. Les indestructibles. C'est ça. Attends, le pire, c'est que ça, genre, c'est vraiment ça. Putain, c'est en mode miroir, bande de fils de... Ah, détestable moi. Un classique. Détestable moi. Ça me dit rien. C'est moi moche et méchant. Ah! Voilà. Putain. Rapide et dangereux 2. Ah, bon. Oh, c'est Fast and Furious 2. C'est ça. Celui-là, c'est pareil, je l'ai déjà vu quelque part. J'ai déjà des potes qui m'ont envoyé ça et tout, c'est trop drôle. Voilà, c'était bien dégueulasse. Alors, on va. Ah, j'ai fait Windows. Je vais voir s'il n'y a pas un truc avec les dessins animés aussi après. Parce que là, je commence à tomber sur des trucs que vraiment on n'a aucune chance de connaître. Ah, ouais, chaud. Ok, ça je connais pas, mais ça a l'air pour les enfants, donc peut-être t'as une chance. Il pleut des hamburgers. Quoi? Sérieux, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un film. Version québécoise, mais c'est un film. Bah, là-bas. Je sais pas du tout. Tempête de boulettes géantes, ça s'appelle, ici. Ah, et putain, chaud.
Je connaissais pas, mais ça avait l'air d'un film d'animation, du coup t'avais des chances. Ouais, sauf que j'ai pas vu tous les films d'animation du monde, on va pas se mentir. Alors, ouais. Ouais, après je retombe sur les mêmes tops, donc un peu con. Allez bim, on va te voler ça. Mais si t'as une autre idée de jeu, pourquoi pas, hein. Je suis 7ème, je suis 6ème, ok. Dégagez, bande de fils d'up. J'avais fait avec toi la dernière fois le jeu des dates, non? De quoi le jeu des dates? Tu étais là sur ce stream où j'avais fait un jeu des dates pendant le Shiny Hunting. Ah, peut-être! Ouais, genre en gros, tu nous disais une date et on devait deviner c'est quoi. Ouais. Du coup, t'étais bien là, mais. Et ça te dit de se refaire ce jeu ou pas? Oh non, c'est bon, je vais être une sous-merde à ce jeu. Spécial Nintendo. Oh! Mais carrément. Ça... ok, voilà. T'as vu le changement de réaction? Alors, bon, allez, dégagez, bande de fils de pute! Tu vas devoir deviner du coup à quoi ça correspond. Par contre, je te dis, je connais pas tout non plus, hein, faut pas croire. Hein. Oui, mais t'inquiète, je fais ce que tu es susceptible de connaître. 14 novembre 2005. 14 novembre 2005, Tu peux poser des questions, ouais, au cas où. 14 novembre 2005. Mais je réponds que par oui ou par non à ces questions. Ah merde. Au cas où. Parce que oui, si tu me dis quelle est la réponse, je vais pas te la dire. Hein. Bah je me doute bien, je suis pas conne à ce point. Tu croyais vraiment que j'étais conne à ce point, hein. Donc voilà, par contre si tu me dis est-ce que c'est un Mario, je dois te répondre. Ah j'avoue, est-ce que c'est un Mario? Oui. Ah Oh putain, t'es sérieux là? Tu me poses une colle avec ça, hein? Je sais pas, ça peut être la sortie d'un jeu, ça peut être plein de trucs, tu peux me demander, hein? Est-ce que c'est la sortie d'un jeu? Oui, du coup. Ça semble évident. Ah! Non, ça aurait pu être la sortie d'une édition limitée de console, par exemple. Ah oui, putain, j'avoue! Ah, bah quelqu'un avait join, mais il a quitté, ok. Bon, boum. Attends, qu'est-ce que j'ai comme notif? Allez, non, t'as rien. Dis-toi que c'est forcément Nintendo déjà. Ouais, je sais, mais putain. Et que c'est en 2005, donc ça peut te donner une idée de la console sur laquelle c'était. Je pense que c'est des sorties sur DS. Oui. Ah! Le 14 novembre, donc c'était en fin d'année déjà. C'est en fin d'année, ok. Je dirais. Déjà, je veux poser une question qui va m'éliminer un truc parce que du coup, j'hésite. Est-ce que c'est un Mario Kart? Oui, c'est un Mario Kart. Ok, putain, c'est Mario Kart DS. Oui, c'est Mario Kart DS. Yes! Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Enfin, rebonjour, mec, on s'est pas parlé de la soirée, s'il te plaît. Oui, je sais, mais. Ouais, je sais, d'accord. Ouais, mais du coup, là, je repasse dans ton live. Ouais, voilà, tu passes dans mon live, c'est ça. Ah, alors, c'est bien! Je sais pas si c'était sur le stream, mais on était en train de faire un jeu, si ça t'intéresse, de jouer. Ouais, genre, en gros, c'est en gros, il dit des dates et on doit deviner ça correspond à quoi. Ah. Voilà. Mais vous êtes en stream?
Ouais, ouais, on est ouais, en... je suis toujours en stream. Alors, moi, vous suivez Voulax, ceux qui m'entendent, vous allez suivre Voulax, voilà, c'est bien. Voilà, j'ai lancé tout ici de ouais, j'avoue, il y a que deux viewers et les viewers, je suis sûr que c'est des vieux bots de merde. Oula. Le bot, il se compte pas. Les viewers, si vous êtes des vrais monsieur, vous allez vous abonner, s'il vous plaît, à Voulax. Moi, j'ai un 8. Oh, j'ai un 8. J'ai un 8 que j'ai utilisé de manière débile. C'est moi, il s'est cassé. Le bâtard. Je crois que tu l'as viré du VOC ou quoi? Non. Et il s'est cassé tout seul du VOC, du coup. Je sais pas. Mais je suis pas modo, ouais, sur ta... C'est vrai, t'es pas modo sur ma chaîne, sur Discord. Ok, alors. C'est vrai, t'es modo que sur les streams. Le 23... non, attends. Je vais choisir autre chose un peu plus simple. Peut-être que t'as plus de chance de connaître, du coup. Le 6 décembre 2013. Est-ce que c'est un jeu Mario? Non. Ok. Déjà, c'est dit. 2013. Je suppose que c'est un jeu 3DS. Pas vraiment. Ah! Je suis un peu étonné. C'est dans la famille et en même temps ça l'est pas. Je te dis, tu comprendras plus tard. Ok, tu me fais peur, tu sais, avec cette information. Bah, y a pas de raison d'avoir peur en même temps. Bah, c'est que peut-être que c'est parce que c'est que sur une certaine console qui est de la famille de la 3DS, mais pas sur 3DS, par exemple. Ah ouais, effectivement. Je dis des exemples, hein, mais c'est pas forcément juste, hein, ce que je viens de dire. Oui, je me doute bien que tu donnes des exemples, mais nique ta mère, je sais pas du tout. Bon. Parce que je trouverai jamais. Déjà, c'est une console qui était fournie avec un jeu, voilà. C'était une console qui était fournie avec un jeu. Ouais. Donc tu sais, il y a plein de consoles qui sont sorties avec des jeux, que ce soit Mario, Pokémon... Ouais, bon, ouais, je sais très bien. Ça, je sais. Donc, c'était pas une Nintendo 3DS, mais c'était dans la famille. C'est pour ça que je te disais ça. Ok, 2013... Mais du coup, tu peux me faire toutes les consoles de la famille 3DS, hein, si tu veux. Au moins, je serais obligé de répondre oui, hein. Du coup, c'est quoi déjà la date? Alors, attends, je te la redis. C'est le 6 décembre 2013, là. Ça me dit rien du tout. Normal que tu connaisses pas la date, mais bon, si c'était une date que tu connaissais déjà, le prestige du jeu, il aurait été déjà un peu niqué, quoi. Ouais, parce que tu sais très bien que c'est une date que je connais pas. C'est une date que je connaissais pas non plus, mais qui pourrait m'intéresser. Un indice de plus. Ah, c'est un jeu Pokémon? Oui. Ah, yes, du coup, c'était un jeu Pokémon qui était préinstallé, du coup. Ah, Je vais pas demander quelle console c'était, hein, au passage. Ah, j'avoue, c'était pas genre une 2DS Pokémon? Oui. Et maintenant, tu dois deviner le jeu, c'est tout. Ah, je dirais Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Ah, presque. Juste avant. XY. Ouais, c'était une 2DS Pokémon XY, donc sortie le 6 décembre 2013. Parce que je disais bien que la 2DS, il y a eu 50 000 éditions et tout, enfin, c'était nimpe. Ouais. Je sais pas pourquoi il y en a eu autant, d'ailleurs. Bon, en même temps, ils savaient que ça allait leur faire de la thune. Bon, allez, une date, je suis presque sûr que tu la connais. Pour un peu alléger le jeu. 8 décembre 2006. Oh, putain. C'est pas... Est-ce que c'est la sortie d'une console? Oui. Ah, je dirais que c'est la sortie de la Wii.
C'est ça. Putain, c'est yes. Je suis trop forte. Attends, il faudrait que je te sorte un truc que tu connais, mais en même temps pas que tu connaisses la date par cœur. Ouais, parce que je connais pas toutes les dates par cœur, hein, on va pas sortir. J'arrive à retenir des dates de merde, mais par contre, il y a des dates dont. Genre des dates de cours d'histoire, je n'y arriverai jamais à les retenir. Oui, bon, les cours d'histoire, c'est un autre truc. Oui, voilà, c'est une autre histoire, donc c'est pour ça. Alors, date de parution. Le 21 mai 2021. 21 mai 2021. Ah, c'est un truc récent! Oui, c'est un truc récent. Effectivement. 21 mai 2020. Il y a pas longtemps, tu avais que ça sur YouTube, il y a pas longtemps. Du coup, tu te doutes bien. Ouais, sauf que je suis sûr, je l'avais pas dans mes recommandations à moi, bien évidemment. Non, mais t'as forcément un YouTuber que tu suis qui avait fait ça. Ça, j'en suis sûr et certain. Le 21 mai 2021. C'est ça. Tu peux toujours poser des questions, ouais, au cas où. Est-ce que, bah, je suppose que c'est la sortie d'un jeu. Oui, c'est la sortie d'un jeu. Et un jeu que tu connais, je suis pas sadique non plus. Un jeu que je connais. Alors là, est-ce que c'est un jeu qui m'intéresse déjà ? Je pense que oui. Putain. Ah oui, c'est bon, je sais ! C'est Miitopia sur Switch. C'est ça, c'est juste ça. Putain. Truc de fou. Voilà, et est-ce que t'as la date du jeu originel ? Non, pas du tout. C'était le 8 décembre 2016. Donc, exactement 8 ans après la sortie de la Wii. Jour pour jour. Ah ouais, putain, j'avoue. Mais putain, pourquoi on est retombé dessus ? Par contre, nique ta mère le lag. Bon, on va un peu corser le jeu. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Donc t'auras le droit maintenant qu'à 5 questions. Bah de toute façon, j'en posais que 2 ou 3. Mais une fois, t'en as posé plus. C'est pour ça que... Ah ok. C'est pour ça que je réduis, ça rajoute un peu de piment. Alors, attends, 10, c'est quel mois déjà ? Septembre, octobre ? Je crois que c'est novembre, non ? Non, le 10, c'est octobre. Oui, du coup, c'est le 27 octobre 2017. 27 octobre 2017. J'ai fait dire la sortie de la Switch, mais non. Je te laisse 5 ou 10 questions, du coup ? 10. 10, d'accord. Je pense que c'est la sortie d'un jeu. C'est juste. C'est la sortie d'un jeu. Je pense que c'est un jeu Switch, du coup, logique. Oui, du coup, deux questions. C'est Super Mario Odyssey. Alors, ok, oui, c'est bien ça. C'était direct. Bah je sais pas, genre c'est 2017, fin d'année, donc je me disais, ok, c'était ça. Ouais. Bon. Ça, c'est pas Nintendo, j'annonce. Ah ! Mais tu connais de nom. Je connais de nom. Alors attends, je vais chercher la date. Oh putain, l'éclair. Parce que, évidemment, je connais pas... Je sais qu'il a 5 ans, mais ça date. Ok. Donc on parle d'une première date de sortie, parce qu'il y en a eu plusieurs. Je parle de la première date de sortie. 15 septembre 2015. Quoi ? C'est pas un truc... C'est la sortie d'un jeu, ok, je suppose. Oui, c'est la sortie d'un jeu. Ok. Ça aurait pu être une sortie console, hein. J'aurais pu dire la sortie de la PS4 pour troller. Hein. Oh putain, mais, j'avoue, ça aurait été drôle.
C'est bien la sortie d'un jeu. Bon, du coup, j'ai failli dire est-ce que c'est un jeu Mario, mais tu m'as dit que c'était pas Nintendo. Oui, j'ai précisé que c'était pas Nintendo parce que bah du coup, sinon t'aurais pas deviné. 15 septembre 2015. Alors là, franchement, tu me T'as poses une de colle. Tu poser des questions sur le jeu, hein, aussi. On est tombé dessus. J'en sais rien du tout. J'ai pas de questions qui me viennent pour le coup. Bon, je vais t'en proposer parce que sinon c'est pas drôle. Est-ce que le jeu est sorti sur telle console, tel support par exemple? Ah putain, j'avoue, est-ce qu'il est sorti. Je suppose qu'il est. Est-ce qu'il est sorti sur une console Nintendo ou pas? Bah du coup, je te l'ai dit dès le début que c'était pas Nintendo, donc on repose une question. Ah merde, oh con. Attends. Si, il est sorti sur une console Nintendo. Ah! Plus tard, mais c'est pas cette date du coup. Ah merde. Mais il est bien sorti plus tard sur une console Nintendo. Je suppose qu'il est sorti sur, je dirais sur PS4. Alors, est-ce qu'il est sorti sur PS4 en plus d'être sorti sur une console Nintendo du coup? Oui, il est sorti aussi sur PS4. Je te donne un indice pour avoir des indices plus facilement. Ouais. Quel est mon genre de jeu préféré déjà? C'est les JRPG, non? Je dirais. Il y a une chance sur deux parce que j'ai deux styles de jeu préférés, mais. Mais tu peux poser, est-ce que c'est du coup tel style de jeu par exemple? Est-ce que c'est un RPG? C'est un RPG, oui. Putain, mais je trouverai jamais. T'as 4 questions, il t'en reste 6. Plus de la moitié. Il y a des questions tellement évidentes qu'on pourrait trouver. Ouais, mais ce jeu-là, j'en ai pas en fait, c'est ça le problème. Bon, je te donne encore 2 indices gratuits sans que tu poses de questions. Et tu auras qu'un seul essai pour trouver. Ça te va? Comme okay. Ça, tu n'as pas trouvé les questions. Alors, c'est un jeu indépendant aussi dont on a parlé aujourd'hui sur le Discord. Ah, Undertale! Oui, c'est Undertale. Qui est sorti sur PC, du coup, sur Windows, le 15 septembre 2015. Mais qui est sorti sur PS4 et Switch plus tard. Ah ouais, je me disais bien. Allez, un peu dans le même style, donc toujours pas forcément Nintendo, mais... Mais un jeu que tu connais. Donc c'est le 24 février 2017, sa première sortie. Ah! D'ailleurs, c'est fou, il y a une question, je pensais que t'allais toujours la poser, mais tu ne l'as pas posée une seule fois. Je m'y attendais vraiment pas pour le coup. Genre, la question, est-ce que j'ai déjà joué à ce jeu? Par exemple. Ah putain, j'avoue, c'est une question qui pourrait être intéressante. Du coup, il n'est pas sorti sur une console Nintendo, du moins pour la date. Parce que peut-être qu'il est sorti sur une console Nintendo après, hein, mais la date, c'était pas Nintendo. Ouais, je me doute bien. Donc voilà, et je te laisse poser des questions du coup. T'en as 10. Bonjour. Sorti en 2017, putain. Ouais, et le 24 février, donc en début d'année. Mais ça, à mon avis, tu connais pas la date. Je dois connaître le jeu, mais pas la date. Tu connais le jeu, oui. Euh...
Ah mais c'est en 200 cc, mais putain. Du coup voilà, prends toutes les questions. Tu peux reprendre les questions de tout à l'heure aussi, hein. Elles sont valables pour tous les jeux. Merde, du coup j'ai dit que c'était un jeu. Bon. C'est un indice gratuit. Je suppose que du coup c'est un jeu PC. Oui, c'est un jeu qui est sorti sur PC à la base. Oui, je le disais bien. Si tu as eu des rééditions, je te laisse poser la question pour te dire sur quoi c'est ou s'il y en a pas. T'as pas dit des questions là? Je suis juste concentré à mort. Ah ouais, un peu difficile Mario Kart? Ouais, ça me bête les couilles. Ah mais en plus c'est sur le Château Bowser là. Ouais, Château Bowser. Mon circuit préféré dans lequel tu m'as déjà battu. J'ai honte. Hein. Quelle honte de te battre dans ce circuit. Alors ça c'est mon préféré. C'est honteux. Putain, le bruit. À côté de la lave, t'as eu chaud au cul, dans tous les sens du terme. Ah bah ouais, là j'ai dû avoir très chaud au cul. En plus, il fait chaud, donc c'est littéralement dans tous les sens du terme. En plus, j'avoue, il fait chaud, ouais. C'est pas pour rien que j'ai allumé mon ventilo, parce que sinon je crevais de chaud. Sinon, du coup, pour en revenir à ta question, parce que c'est gare. Ouais, je te fais le récap de l'indice que j'ai donné ou tu t'en rappelles? Fais-moi le récap. Donc, c'est un jeu qui est sorti sur PC, à la base. Ouais. Et c'est le seul indice que tu m'avais demandé. Ah oui, c'est vrai. Enfin, c'est le seul indice que j'ai eu. Donc, t'as encore 9 questions possibles. En fait, t'as le droit à 9 questions parce que les questions possibles, t'en as plein. Est-ce que j'y ai déjà joué? Oui, tu y as déjà joué. Ah! Salut, Capitaine Gaming! Putain, enfin, il y a un viewer en plus qui me parle dans le chat. Ça fait des minutes et des minutes. Et ouais, si tu veux jouer avec moi, bah oui, il n'y a pas de souci. On peut jouer ensemble. On peut carrément jouer ensemble si tu veux. Est-ce que j'ai ton code ami ou pas déjà, Capitaine Gaming? Merde. Du coup, c'est un jeu PC auquel tu as joué. C'est un jeu PC auquel j'ai joué. Ah oui, on s'en a mis. Ouais, je suis bête. Suis-je bête? Tu me dis hein, si tu reveux la date au cas où. Bon, vas-y, je vais créer la room. On joue Mario Kart, il y a deux jours ensemble. Ah oui, c'est vrai, on a joué ensemble, ouais. Bon bah, je t'attends, du coup. Sinon, du coup, la date, c'est quoi, déjà? La date, c'est le 24 février 2017. Pas le droit d'info-chatter, hein. Enfin, de spoiler sur le chat. Ouais, pas de spoiler. Bon. Parce qu'en fait, du coup, on joue à un jeu qui consiste à lui faire deviner à quoi correspond la date que j'ai donnée. Ouais, voilà, et il faut pas me spoil parce que sinon, c'est pas cool. En vrai, un jeu PC auquel tu as joué, il y en a pas tant que ça, si. Bah. Bah, du coup, c'est pas genre Céleste? Alors, c'est pas Céleste, ça. Ah oui, merde, je suis bête. Suis-je bête? Je vogue où? Je vogue dans un salon qui s'appelle Triompher dans mon serveur Discord. Je te rappelle que mon serveur Discord, tu peux l'avoir. Comme ça. Voilà, mon serveur Discord.
D'ailleurs, t'as mis le lien à jour ou pas? Oui, t'inquiète, je l'ai mis à jour. Maintenant, les gens peuvent cliquer dessus. Et normalement, il est valide. D'accord. Putain de merde. Donc ce n'est pas Céleste, il te reste 7 questions. J'ai pas joué à 50 milliards de jeux PC, hein. J'en ai pas joué à des millions. Hein. Mais c'est fou, j'y ai même pas joué, mais tu me le dis pas. Hein. Alors si, je suis sûr que tu y as joué. Non, je veux pas lancer. J'attends qu'il arrive. Je te laisse deviner pourquoi je suis sûr que tu y as joué. Je sais pas, j'y ai joué en stream. Oui, tu y as joué en stream. Ok, donc c'est pas Hollow Knight. Oui, c'est Hollow Knight. Ah, mais il est récent comme jeu, je pensais qu'il était plus vieux que ça. Ouais, il est sorti sur Windows le 24 février 2017. Et salut. Salut, Capitaine Gaming. Ça va? Bah ouais, carrément. Ouais, toi. Ça va. Pourquoi ça a déconnecté ma manette? Quelle horreur. Il est 19h03, j'ai toujours pas bouffé, bon, c'est pas grave. Dans mon véhicule, tout ça, et j'arrive. Gosphère du miroir. Et avec des yeux en difficile. Du coup, fun fact, le jeu il est sorti sur Twitch en le 12 juin 2018 aussi. Voilà. Je me suis pas entraîné par contre hein, depuis. Ouais, par contre, je te dis, je suis toujours une quiche au passage. Hein. on verra bien. Alors. Miroir, j'ai jamais essayé. Bah, dis-toi que le mode miroir c'est très cool. Enfin, c'est cool. Je sais pas si on peut qualifier ça de cool. Hein. Dites pas lequel prendre, vas-y, je vais faire un aller-retour. On en fait un dernier, le jeu des dates ou pas? Ouais, vas-y, donne-moi-en un. Ok, est-ce que tu veux jouer du coup, toi aussi? Capitaine Gaming? Capitaine Gaming? Allô? Oui, c'est moi, pardon, excuse-moi. Est-ce que tu veux jouer avec nous au jeu des dates, du coup? À quoi? Au jeu des dates. Genre, en gros, en fait, si tu veux, il donne une date et on doit deviner c'est quoi, en fait, ça correspond à quoi. Ok, vas-y. Donc, vous aurez le droit à 5 questions chacun, pour pas que, du coup, pour équilibrer le jeu. Et je vais donner la date tout de suite, c'est le 28 avril 2017. T'as le droit de poser des questions qui sont en gros en fait il doit y répondre par oui ou par non. Est-ce que c'est la sortie d'une console déjà? Non, ce n'est pas la sortie d'une console. Ah, ouais, parce que du coup c'est la sortie d'un jeu. Oui, c'est la sortie d'un jeu. Parce que, est-ce que c'est un jeu PC? Alors, la sortie de Nintendo Switch parce qu'elle est sortie en 2017 il me semble. Oui, mais vu que c'est pas une console, non. C'est pas cool. Alors, mais sinon, en fait, techniquement, si ça aurait été la sortie de la Switch, j'aurais trouvé direct, en fait. Bah, 2017, tu vois, et puis il y a Mario Odyssey qui est sorti quelques temps après. Oui, bah, justement, il m'avait fait deviner Mario Odyssey juste avant. Juste avant, il m'a fait deviner. Du coup, c'est pas un jeu PC, voilà. C'est pas un jeu PC, ok. Donc, c'est un jeu Switch? Oui, c'est un jeu Switch. Ok, un jeu en 2017. Il n'y en a pas eu des millions. Tu avais déjà fait, donc je pense pas que ça puisse être ça. Non, je refais pas les jeux que j'ai déjà fait. Ouais. En 2017. C'est quand même l'année de sortie de la Switch, donc il y en a eu pas mal quand même. Ouais, là, c'est pas genre j'ai failli dire Breath of the Wild, il est sorti en même temps que la Switch. La honte. Attends. C'est pas Breath of the Wild. Moi, la Switch, j'ai eu en 2019, donc. Ouais, mais moi, je l'ai eu. Bon, je l'ai pas eu Day One, hein, mais bon. C'est pas. Attends, je. Oh. Je pense avoir une petite idée, là. Vite fait. Ouais. Okay, bah, de toute façon, t'as encore le droit à 3 questions, et vous là, que t'as 2. Je dirais peut-être. Minecraft sur Switch. Mais genre, édition Bedrock. Ce n'est pas le Minecraft édition Bedrock. Vous avez toujours le droit à 2 questions chacun.
J'allais dire les développeurs du jeu, mais le 3 quarts des développeurs sur Nintendo Switch, bah c'est Nintendo. Donc... 3 quarts... Une bonne partie en tout cas. Si tu préfères ça. Ah après, ouais, effectivement. Même Mario n'a pas été développé que par Nintendo lui-même. Non, il a été développé par d'autres gens, je sais plus exactement qui, mais... Pas de... Donc un jeu sur Switch sorti en 2017. Mais évidemment, on n'a pas le droit de regarder sur Google, ce serait de la triche, mais... Évidemment. T'as des questions, Oulax? Putain, j'ai la dalle, j'ai envie de bouffer, là. Bah, tu sais quoi Merde, j'ai lancé les paramètres d'OBS sans faire exprès. C'est quoi, je vais arrêter mon stream. Oh non. Ouais, mais on va toujours jouer à Mario Kart dessus. Ouais, bah j'arrive clairement 10 minutes avant la fin, ça qui est dommage. Voilà, j'espère que ce stream vous aura plu. Si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à follow, ce serait cool. Et sur ce, bah je vous dis à très bientôt pour de prochains streams. Bye bye.